Une salutation spéciale pour chaque grand monde qui a regardé la vidéo. Mesdames, Messieurs, programme humanitarien parole, bénéficiaire 2023 et 2024, yo, moun 500, moun 600 jours, 200, 300 jours. Yo. Avec notre sac qui est là, il y a une bonne nouvelle qui est tombée. En plus, question à poser, je vais éviter de prendre 100 noms, tant non pour regarder la vidéo, de commencement arrivé dans la fin. Il y a une façon pour ne pas rater rien dans ce que nous pouvons dire là. Si vous êtes nouveau sur la plateforme, vous pouvez vous abonner, je vous encourage à faire ça pour nous. Dans mes vidéos, vous pouvez prendre un petit bouton qui fait un petit pouce, cliquez sur lui une seule fois. Et lorsque vous regardez la vidéo, posez une question pour l'espace commentaire. Je vous encourage à tout, partagez tout de côté. Par vos familles, par vos amis, par tout le monde qui vous connaît. Depuis que vous pensez, vous avez bénéficié. J'ai comme son Julia, USCIS était la joie dans cœur en pile bénéficiaire mesdames messieurs. Nous va aller pour note ça que USCIS sorti côté applicant 2023 et applicant 2024 yo doit rester tête frette. Bam les pour nous. Programme humanitarien parole administration Biden n'a te mettre en place pour 4 pays Haïti, Cuba, Venezuela, Nicaragua. C'est une initiative temporaire. Qui te gagne objectif pour adresser problème humanitaire à crise migration dans la région sa yo. Cependant, le gouvernement américain a annoncé que programme ça pas renouvelé. Moun qui te soumet application yo dans l'année 2023 qui pour recevoir approbation yo, ta doit connaître que USCIS a continué travailler sur dossier qui déjà entré dans le système là avant programme nan te arrivé dans fin li. Pour ceci, ça a continué jusqu'à ce que tout dossier qui soumet en 2023 est traité. Cependant, ça c'est seulement valable pour les gens qui étaient déjà entré application avant le programme de suspendre. Bien qu'on entende, les gens qui étaient soumet application en 2023, qui pourraient recevoir approbation, t'as dû connaître que USCIS a continué sous dossier, travail sous dossier qui déjà entré dans le système là avant le programme arrivé dans la fin. Le processus ça a continué jusqu'à ce que tout dossier qui soumet en 2023 soit traité. Pendant ça, c'est seulement valable pour les gens qui étaient déjà entré application avant que le programme suspende. Pour les gens qui étaient planifié pour appliquer en 2024, important pour comprendre que nouveau application pas accepté encore pour programme ça. Autorité américaine yo pour annoncer aucun mécanisme renouvellement ou soit programme remplacement qui ka prend place humanité parole là pour pays qui affecté yo tant que Venezuela, Haïti et Cuba. Nicaragua. Bon li pour nous. Dans moment ça, candidat yo doit rester informé et puis suivre développement USCIS. Dans cas ta gen l'autre opportunité ou soit programme humanitaire qui ka ouvri dans l'avenir. Consultation avec un avocat immigration ka aide nous explorer l'autre option qui disponible sous base situation humanitaire ou soit immigration personnelle. C'est essentiel pour tout moun kembe yon relation serré avec USCIS à travers compte application yo checke estati application sur internet et puis tant nan processus yo fini jan la loi exige li. Mesdames messieurs, moun ki te rempli en année 2023 yo bénéficiaire 2023 yo nous tandi kounye a comme gouvernement américain te annoncé yo pa renouveler programme Biden humanitarien parole la. Pour 4 pays, Haïti, Cuba, Venezuela et Nicaragua, en pile monde qui te fait application en année 2023 et qui toujours attend processus approbation, yo ka recevoir résultat yo nan yon limite ressources USCIS nan yon limite. Ressources USCIS gen pour finir application qui déjà en dans système nan pour moun qui vle appliquer en 2024 ou soit qui te prend yon premier étape en 2024. Pas gen aucun assurance que nouveau dossier yo a travaillé sur yo. Tendez bien mesdames messieurs. Moun ki te appliqué en 2024 yo, ancien application 2024 yo, janvier,
jusqu'à date ça là. Mais moun qui voulait appliquer kounya là, moun qui voulait appliquer kounya là dans 2024 là, au soit qui te prend une première étape dans 2024 là. Tandis que pas gain aucune assurance que nouveau dossier yo ap travail sou yo. Si tout si date limite là passé et programme là suspend net. M'espérer chaque grain moun kap tande m la nou comprendre moi. Moun ki vle appliquer en 2024 yo, au soir ki te prend une première étape en 2024 là, pa gen aucun assurance que nouveau dossier sa yo ap travay sou yo. Yo pa travay sou yo. C'est ça que yo moun ki appliquer kounye la, moun ki appliquer nan dernier limite 2024 yo. Je me dis après et programme nan fin yo pa renouveler encore. Même avant ça, dans même mois que yo prend ba la, dossier ça yo risqué pour pas travailler sur yo. Qui très important. Malgré programme nan pas renouveler toujours gen opportunité dans l'autre programme migration américain. Tant pour asile, l'autre catégorie visa ou soit opportunité spéciale USCIS ka offri dans l'avenir. Puis bon recommandation, c'est suivre nouvelle USCIS à consulter un avocat immigration pour pi blanc pour pi bon plan ak action. Pendant ce temps, il est important pour tout le monde qui dans processus là été informé et puis tann officiellement résultat final yo. Moi de quoi que moun ki appliqué en 2023, janvier, février, mars, avril jusqu'à décembre, gen très bon espoir pour nous moun sa yo appliquant 2023 spécialement USCIS parler tout des dossiers nou yo gen en pile espoir pour tout bénéficiaire qui était appliqué en 2023 yo moun 2024 yo qui était appliqué janvier, février, mars, avril, mai, juin gen espoir pour nous. C'est ça que est important moun ka payer moun actuellement là pour remplir pour dans programme n'ta bon conseil pas bay comme ça. Moun ki gen kob, ki gen intention, paye yon moun pour remplir pour li nan programme humanitaire pa la, m'a bon yon conseil, pa paye moun kob sa. Pa bay kob sa, tan pou e après élection ki sa kap décidé définitivement pour programme humanitaire pa la. Maintenant, mesdames, messieurs, m'pral fè n'tande ti bout audio sa. Li important pour nous tande l. Ki dou se sponsor kap tan, ki dou se sponsor, ki deja, e ou gen moun ou ki deja arrivé États-Unis, li important pour tande l. Entend ensemble avec moi. Nous tendez un pile moun qui plaignent parce que yo fait rentrer, yo pa konn tellement rien dans pays an, sponsor yo style a bay problème. Sponsor yo dit non, pas prend aucun provision que c'est question et toutes les provisions que nous bay que nous connaît que programme na vin avec lui en food stamp, que c'est question cash assistance, que c'est question accès à un paquet de bénéfices mass assurance etc. Nous t'aider gain style sponsor cap décourager moun yo qui fait rentrer hein pour pas prendre. Et hier encore dans bureau nous gain plusieurs moun qui vini yo dit t'a rien fait TPS là mais sponsor a dit non parce que pas veut faire TPS pour yo pas laguer dans problème. Nous connaît docteur Gabo remé unité nous remé ouais nous n'a travail pour que nous aider tout moun ensemble pour que nous encourager. Ça son seul côté sponsor m'a mando aide. Si vous empêchez les gens qui viennent dans le programme Biden pour la fête TPS, je vous dis que ce n'est pas bon, pas faire. Parce que si vous faites, vous avez condamné les gens pour que les gens ne paient pas de couverture. Et vous-même, qui est sous une question sponsor, sous question, nous avons tout avocat, nous avons tout advocate, nous capable d'expliquer. Parce que le programme vient avec un full package pour que le cas supporte moun nan pendant 2 ans. Donc, tant pris sponsor, pi ga ou décourager ou moun pren accès avec bénéficio, comme moi dou, li pa gen an yé pou loué avec ou même en tant que sponsor. Tant pris, pi go fè ça. Parce que sou fèl, m'te kap di se presque ou a fè un abus avec moun sa ki fè rentrer ya. Et ou même ki fè rentrer kap tande nou, si ou a di la avec un sponsor qui réellement dou non, pa fèl, tant pris, fè sponsor a rele nou. Et puis nap trois content pour nous mettre en connexion avec tout l'autre monde qui est capable de le conseiller. Et si malgré nous le conseil là, il dit non, son seul mot, un seul côté, il dit, it's okay pour capable d'entrer,
pour aller faire affaire pas parce que sous pas faire ou pas de problème. So I am so sorry to say that. So si jamais malgré que nous expliquer sponsor à tout ça parce que nous aimer kembe unité, nous aimer kembe pour que en relation yo kembe. Mais dans cas ça, vous prenez si jamais malgré que nous expliquer sponsor à que l'important pour faire et que sponsor a dit non, it's okay. Pour capable lever pour aller faire pour tout parce que si pas faire pour tout guess what ou après l'un problème et nous pas tant mon problème ce sponsor m'pa vle aller contre parce que tellement fait gros travail pour faire papier pour faire mon entrée moi vle supporter en tant que sponsor mais m'pa ka supporter sous empêcher mon n'a prendre accès avec bénéfice que li gen droit à lui-même et que gouvernement fédéral a dit li gen droit à lui-même et que nous tout cap travail avec yo informer nous que yo gen droit à lui-même et puis pour dire non. C'est ça que nous demandons des sponsors, vous t'en prie, aidez-nous. Au contraire, encouragez les gens qui font entrer pour courir à faire TPS. Parce que si tout ça, vous avez un bénéfice, comme on dit, vous avez un cop payer pour payer, c'est seulement les gens qui ont fait et groupe qui a fait application pour y a payé un frais pour capable faire application yo pas obligé payer parce que gè sacré les waiver yo capable appliquer pour waiver pour faire TPS là sans que pas obligé payer en pile l'argent et puis d'ailleurs si y a fait TPS ça sans papier travail là TPS ça réellement cheap li réellement bon marché moi crois c'est pas $50 mais $100 $70 ça veut dire que tant pris nous pas t'aimer pour rester dans situation qui ambigu parce qu'on peur que sponsor a pas notre dehors ou bien sponsor a peur que ça pas gagne une répercussion sur lui-même. Nous clair et certain, nous sûr et certain comme moi dit si m'pas sûr de lui-même pas jamais dou lui. Donc si m'dou lui, c'est que l'important pour faire. Donc premier bagaille, tout le monde comme moi dit qui rentre dans TPS, qui rentre dans Biden programme, quel que soit côté, dans quel que soit état côté, à genoux avocat a un groupe qui capable faire parce que moi toujours dit nous moi pas vle pour n'aller prendre dossier pour moun dit me ka faire et puis pour la gué dossier la même des moun qui pas connait ça faire et puis après ça pour y aller retourner dossier pour aller tomber dans plus problème make sure qu'on aller dans organisation dans zone cotoyia qui capable do or make sure que nous avocat dans zone cotoyia et n'a demander avocat autant prix frère tant prix avocat mieux tant prix en nous aller doucement avec communauté parce que yo besoin aide tant prix pas charger yo pas overcharger yo conseil de bagaille capable nous connons gain cœur ou habitué aider yo tant prix aider pour moi parce que l'on aider yo ou aider communauté ya donc pigo charger tellement pour tellement voilà j'ai en pile surtout les grandes familles qui gagne 5 6 moun soit charger chaque grain moun et 500 600 dollars tu pas venir l'argent pour capable payer tant prix en nous. C'est le moment pour nous montrer solidarité avec la communauté haïtienne. On nous bat un petit break sous prière. Okay? On nous descend autant que possible pour que nous soyons capables de faire application.